À ce jour, eh bien, le Gabon compte un seul cas de Covid-19. Ce dernier se porte bien et toutes les personnes ayant été en contact avec lui ont également été soumises à des examens. C'est du moins ce qui ressort du point de presse qu'a tenu cet après-midi le porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre cette pandémie, le docteur Guy Patrick Obiandan, que nous écoutons. 4 jours après la déclaration du premier cas du Covid-19 au Gabon, notre jeune compatriote de 27 ans qui fut déclaré premier cas se porte bien. Son état de santé s'améliore toujours grâce à la formation et à la technicité de l'équipe médicale de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba. À part ce cas, sur les investigations qui sont aujourd'hui réalisées, il n'y a pas eu de nouveaux cas de Covid-19 au Gabon à ce jour. Toutefois, un certain nombre d'investigations ont été menées pendant tout le week-end. Et vous avez eu à le constater que nous étions à la GOC, où nous avons pu identifier 8 personnes qui ont été en contact étroit avec notre compatriote. Et parmi ces personnes, il y a 3 personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées parce que ces personnes présentaient quelques symptômes. Et d'autres personnes qui sont aujourd'hui au niveau du CHUL pour confinement, pour mise en observation. Donc des prélèvements ont été réalisés et le CIMF va nous communiquer les résultats de ces prélèvements. Il faut également dire qu'aujourd'hui nous sommes rassurés parce que les premiers prélèvements qui ont été réalisés à la famille du premier cas sont tous négatifs.